coucher les papas en rond, un vrai petit chat la gueule. Elle adore son coussin Jiffy. Oh, t'es belle, ma gueule. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau haul Nose. Tout petit action. Je suis allée aussi chez Villa Verde, je vous dirai pourquoi aussi. Et aussi. chez Jour de Fête. Voilà, je vais vous montrer tout ça. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va aussi. Au cas où ça vous intéresse. Bon, on va pas perdre de temps. Alors, je viens d'aller chez Nose. Bon, l'arrivage n'était pas encore mis en rayon. La palette était. Enfin, les palettes, mais surtout une énorme. Bon, ça ne me concernait pas trop, c'était sur Noël. Donc, on verra lundi si c'est intéressant ou pas. Alors, on a trouvé. Enfin, surtout, j'ai trouvé une petite jupette pour ma pupuce, pour les fêtes. Alors, c'est la marque Sarabanda Casual. Et c'est une petite jupette de 18 mois. Et elle valait 26,50 € et elle était chez Nose à 4,99 €. Voilà. Donc c'est une belle qualité. Elle est bleue avec des petites paillettes, un petit tulle argenté. Et puis avec des petits motifs, donc étoiles, cœur et autres. Elle va être toute mimi avec. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé un cardigan. Tout chaud, tout doux, blanc et argenté. Donc là, c'est la marque UBS 2. C'est une marque espagnole. Donc là, c'est un 2 ans. Et elle, à la base, ça valait. Je ne sais pas. Très bonne question. Je ne sais pas combien ça valait, le prix initial. Mais en tout cas, je vais vous dire comment je l'ai payé. Le gilet court 4,99 €. Donc voilà, encore une fois, c'est une très belle qualité. Il y a plusieurs couleurs. Il y a un rouge, je crois aussi, mais bon, je trouvais que celui-ci était plus joli. Et ensuite, pour faire un petit cadeau, parce qu'il y a un bébé qui arrive bientôt, un petit pyjama de 1 mois, donc bleu marine avec des petits cœurs rouges, en deux pièces, donc un bas à haut, de la marque Melby. Il est vraiment une très très belle qualité, avec le petit haut comme ça. Voilà. Donc pratique puisque c'est des boutonnières dans le dos. Et il valait 7,99 € et à la base il était à 24,90 €. Donc voilà, un joli petit ensemble pour un petit bébé qui arrive. Ensuite, tadam, un support rigide avec une pince pour mettre des documents. C'est pratique pour écrire. Vous saurez prochainement pourquoi c'est faire. Je vous en dis pas trop. Ça valait 1,50 €. Voilà. J'ai trouvé aussi une bébé crème de la marque Liren. Bon, sur Yuka, l'application Yuka, ça sortait bien. C'était assez clean. Alors, 99 centimes. Voilà. Je vais essayer. Je ne suis pas du tout une adepte de bébé crème, ni de CC crème, ni etc. Alors, c'est la bébé crème Master Blur. Instant. Skin Perfection. Voilà. C'est la Natural Shade. On verra bien. Qu'est-ce qu'il disait? Désolée. Je vais remettre mes lunettes. Je vous remercie parce qu'il y en a beaucoup sur mon compte Insta qui m'ont dit que les lunettes m'allaient bien. Bon, c'est surtout très pratique, hein, mais après, je vous remercie. C'est gentil. Alors, ça matifie. Il y a de l'acide hyaluronique. Bon, bah, rien de plus. Matifiante à la nuit, voilà, utilisée, appliquée le matin sur la peau du visage et du cou. Peut-être utilisée comme crème de jour, sans effet de masque. Convient tous les types de peau. Bon, bah, c'est plutôt cool. Je vais quand même l'ouvrir pour vous montrer comment ça se présente. Ça doit être un tube. Voilà, un tube de 40 ml. Bon, vous en direz des nouvelles, si c'est intéressant ou pas. Sinon, bah, on verra bien. Alors, j'ai quand même trouvé un truc. Alors, c'était dans le rayon déco Noël, mais pas forcément pour moi. Je vais peut-être le décliner autrement. À 3,99 €, donc c'est un renne ou un cerf, surtout pour accrocher. Alors, il y a des petites pinces à linge, vous allez le voir.
un petit peu partout. Donc pour accrocher des photos, des documents ou faire un pêle-mêle ou quelque chose comme ça. Je trouvais ça joli. Alors il y avait tout un arrivage aussi en forme de sapin. Il y avait plein de trucs. Vous verrez, je vous mettrai les photos en fin de vidéo pour vous montrer un petit peu les petits arrivages. Et encore une fois, je trouve que voilà, c'est un peu tôt, mais surtout que l'année dernière, pour faire mon sapin chez nous, il y avait des arrivages de décoration pour le sapin. Une marque italienne en vert. Que des boules, vous verrez mon sapin prochainement. Et du coup, tout était soufflé à la bouche. Franchement, une qualité pour trois fois rien. Quand j'ai regardé un petit peu le site internet, j'étais très surprise des prix. Voilà. Donc là, moi, c'était la super affaire du siècle. Et du coup, je pense pas que cette année, je rachète des décos pour mon sapin, parce que je... toutes les couleurs, toutes les formes, tout, voilà. Ensuite, voilà, vous savez tout, on va rester sur Noël. Alors, je suis allée chez Action, très vite fait en fait, hein. J'ai trouvé ça joli, une petite boîte à biscuits Culbuto. Bon là, ça va pas donner grand chose, mais j'ai trouvé ça super joli, elle est en métal. Bon. Quand je vais faire les petits biscuits de Noël, je vais les mettre dedans, dans ma cuisine, puis je trouvais ça joli. Il y a une bonne tête, voilà, c'est Culbuto en fait, Papa Noël Culbuto. Et alors, combien elle vaut la boîte? 2,99. Ensuite, ah ouais, le retour. Bon, des petits chocolats, c'est des Santa de luxe. Donc voilà, c'était chez Action. Bon, pas grand chose en définitive. Oui, aussi parce qu'il y a beaucoup de choses de Noël et ça ne m'intéresse pas encore une fois. Ensuite, je suis allée... chez Jiffy, où là vous avez vu en introduction la Google qui dormait sur son nouveau coussin. Et en fait c'est le... on voit la publicité à la télé, donc il y a le grand rectangle pour les chiens, tout doux, tout moelleux, et il y a aussi le petit coussin, soit pour les petits chiens, plutôt rond, avec un rebord qui se resserre et qui remonte, beaucoup plus enveloppant, voilà, pour les chiens, les chats, etc. Moi j'ai pris évidemment pour ma Google, il valait 14,90 je crois. Je vais vous dire ça. Oui, 14,90. Ensuite, quelque chose de très sexy. Voilà. On va pas donner la marque de ce... Enfin, ça, c'est Hypes. Voilà. Donc, ils appellent ça des sabots. Des sabots en plastique fourré. C'est juste quand je dois sortir sur la terrasse. Ouais. Quand j'ai enlevé mes chaussures à la maison, je dois sortir. Et ben voilà. Vous savez tout. Donc je suis allée dans le rayon enfant, puisque évidemment avec ma petite pointure, voilà, 34-35, ça valait 6,90. Bon, c'est pas terrible, hein, c'est rien d'extraordinaire, mais c'est pratique. Ensuite, évidemment, j'en ai pris une paire pour mon Bobby. Là, c'est un peu plus tenue camouflage, mais bon, encore une fois, voilà, c'est vraiment pour sortir. 6,90, je vous ai dit le prix, oui. Ensuite... Alors là, on va rester dans une configuration un petit peu plus Noël, même si je vous dis que ça ne m'intéresse pas. Mais là, franchement, c'était joli. Alors, c'est l'enseigne jour de fête. Un jour de fête. Regardez comme il est beau. Le casse-noisette. Il est très, très beau. Regardez. Bonjour, bonjour. C'est très rare d'en voir des casse-noisettes. Voilà, donc nous, on en a déjà un petit. Hein, mais celui-ci, je le trouvais joli comme tout en blanc et doré. Voilà. Donc, on ne va pas casser les noisettes avec. Hein. Non, non. Parce que bon, je ne pense pas que ce soit suffisamment de bois de qualité pour casser les noisettes. Mais en tout cas, il est super joli. Et alors, je ne me souviens plus de sa dimension, de un peu plus de 50 cm. Je vais vous le dire. Ne vous inquiétez pas. Mais il est très, très beau. J'adore. Alors, il y a d'autres dimensions. Hein. Mais moi, je voulais le plus grand. Ah, si je pouvais en trouver encore un plus grand pour mettre à la porte d'entrée. J'adore. C'est très... Ensuite, je suis allée dans ma jardinerie, Villa Verde, parce que j'avais besoin de voiles d'hivernage pour mes lauriers. Parce que les gelées vont pas tarder à arriver, donc il faut protéger les petits arbustes et les arbres. Voilà. Donc, j'avais envie de ce calendrier de l'Avent de chez Yankee Candle, les bougies parfumées. Donc il y en a deux, hein. Moi j'ai pris le plus petit et le moins cher. Donc il se compose de 24
bougie chauffe-plaque, donc aux senteurs de fête. C'est. Ça sent trop bon, ça sent la cannelle, c'est douillet, c'est. J'adore. Bref, il valait 29 euros, je veux dire ça, 95, 29,95. Voilà. Il est super joli en plus, je trouve. Si vous avez bien voir. Voilà. On le déballera ensemble lors des Vlogmas. Ensuite, je voulais vous parler, petite parenthèse, je me gratte l'oreille, ouais. Désolée. Du vernis que je porte aujourd'hui. Voilà. Donc c'est rare que je mette des tons dans les ben, rouges. Hein. C'est rouge brun, rouge grenat, de chez Sephora. Et j'ai bien aimé en fait le format parce qu'en fait c'est un 5 ml. Et comme c'est une couleur que je ne mets pas trop souvent, ben, en fait, pour éviter qu'il ne se gâche, je l'ai pris en petit format. Voilà. Et je vais vous dire en fait le. Donc, il est pratique parce que le pinceau. Voilà, il est petit, mais je trouve que c'est pratique, c'est fonctionnel, ça va bien ça. Donc, c'est la teinte. Oh là, je suis désolée, j'ai été obligée de remettre mes lunettes. Alors, Red XS. Red XS. Voilà. Je vous remercie parce que je fais une parenthèse avec mes lunettes. Vous avez été nombreux sur Instagram à me dire que mes lunettes m'allaient très bien. Je vous remercie, hein, c'est sympa, mais c'est surtout, avant tout. C'est pas une coquetterie, loin de là. Et je devrais les mettre plus souvent. Mais voilà, c'est tout. Je le fais pas. Et ça me jouera des tours à un moment donné. Hein. Ensuite, eh ben, je crois qu'on a fait le tour. Exactement. En tout cas, je vous remercie beaucoup parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre. Et encore une fois, ben, ça m'encourage. Donc, continuez. Si vous voulez blablater avec moi, il n'y a pas de problème. Vous me laissez des petits commentaires. Je vous répondrai avec beaucoup de plaisir. Et puis si cette vidéo vous a plu, bah, petit pouce en l'air. Et puis abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. Et puis ça m'encourage. Voilà. Donc en tout cas, je vous fais des bisous. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous.